Bienvenue, je m'appelle Katia et je suis heureuse de partager ce cours de stretching avec vous. Le niveau de cours est niveau facile. On va étirer le bas du corps, donc les jambes et le bas du dos. Asseyez-vous sur vos tapis et croisez vos jambes avec une jambe en avant. Soyez confortable et stable dans la position. Donc, les jambes sont légèrement écartées. Les genoux un peu plus larges que les épaules, une jambe en avant et l'autre plus fléchie. Si vous avez les tensions au niveau des genoux, je vous propose d'avoir les jambes tendues en avant et serrées. Sinon, les jambes sont croisées. Les bras le long du corps, les épaules loin des oreilles. Maintenant, poussez le sol et étirez-vous vers le plafond. Inspirez. Avec expiration, relâchez-vous les épaules et étirez les bras vers les côtés, au sol. Très bien. À la prochaine inspiration, on va étirer les bras vers le plafond. Inspirez, étirez-vous bien vers le haut. Avec expiration, on va se pencher vers l'avant. Posez les mains au sol et étirez-vous vers l'avant. Juste détendez complètement le haut du corps et la tête. Respirez naturellement. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Gardez les deux fessiers au sol. Et à la prochaine expiration, essayez-vous à aller plus loin. Expirez, tirez vos bras encore plus en avant. Relâchez plus la tête. Et sentez étirement de partie du bas du dos et les fessiers. Inspirez, doucement, déroulez-vous. Maintenant, posez la jambe avant. Croisez devant le genou. Le talon doit être à côté du genou et le pied à plat au sol. La fesse opposée doit être bien posée au sol, essayez-vous de le poser. Maintenant, étirez-vous vers le plafond, posez la main au sol et repoussez le sol avec le bras. Première chose, le dos doit être bien tendu. Maintenant, l'autre bras, vous allez mettre le coude avant le genou en poussant le genou vers l'intérieur. Maintenant, repoussez le genou et en même temps, redressez le dos. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Expirez, relâchez les épaules. Et maintenant, avec expire aussi, essayez-vous de poser la fesse bien, bien au sol. Gardez étirement intense vers le haut. Et à la prochaine expiration, on va regarder vers l'arrière. Expirez, regardez en arrière. N'oubliez pas que le dos doit être vraiment bien tendu. Inspirez, repoussez le sol un tout petit peu plus. Remettez le bras plus en arrière, à côté du dos. Repoussez le sol pour redresser le dos et regardez plus en arrière. Très bien. Vous créez étirement intense au niveau des fessiers. Très bien. Maintenant, tournez-vous vers l'avant et doucement, on va changer les jambes. L'autre jambe, mettez en avant. Les bras le long du corps et avec inspiration, étirez-vous vers le plafond. Inspirez, expirez, relâchez les épaules, écartez les bras plus, gardez les bras tendus. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. D'abord, on s'étire vers le haut. Comme on essaye de toucher le plafond, expirez, relâchez les épaules et penchez-vous en avant. D'abord les bras et puis le haut du corps qui suivent. Étirez les bras plus en avant, relâchez les épaules, éloignez-les des oreilles et relâchez la tête vers le bas. Gardez les deux fessiers bien au sol. Soyez bien détendus. Respirez profondément et calmement. Inspirez avec la prochaine expiration. Essayez-vous d'aller plus loin. Poussez les bras un tout petit peu plus vers l'avant et le haut du corps plus vers le bas. Très bien. Respirez calmement. Relâchez les épaules et les fessiers. Sur inspiration, déroulez-vous tout doucement avec la tête en dernier. Maintenant, mettez la jambe avant, devant le genou, avec le talon au sol, juste devant le genou. Le pied doit être bien à plat au sol. Maintenant, on repose la fesse au sol. Maintenant, le bras opposé, le coude va être avant le genou. L'autre bras, il va être au sol pour repousser le sol pour tendre bien le dos. Inspirez, étirez-vous bien vers le haut d'abord. Et avec expiration, vous allez tourner la tête vers l'arrière. Continuez, vous étirez vers le plafond. Gardez les épaules basses, loin des oreilles.
et n'oubliez pas de garder les deux fessiers bien au sol. Inspirez, tirez-vous vers le haut. Avec expire, tournez-vous plus vers l'arrière et poussez le genou encore plus vers l'intérieur. Très bien, sentez étirement intense. Étirez-vous, inspirez. Expirez, tournez-vous encore plus vers l'arrière. Dernière fois. Et maintenant, détournez-vous, tournez-vous vers l'avant. Très bien. Maintenant, on va écarter les jambes. Gardez les jambes écartées. Asseyez-vous bien sur les fessiers, mettez les bras derrière. Les jambes sont bien tendues. D'abord, on va repousser le sol pour tenir le dos bien droit. On s'étire vers le haut. Inspirez. Avec expiration, si vous pouvez, penchez-vous légèrement en avant en gardant le dos bien tendu. L'objectif est de garder le dos tendu. Si on sent qu'on enroule le dos vers l'avant, je préfère que vous restiez bien droit en s'étirant vers le plafond, comme ça. D'accord? Sinon, on peut aller un tout petit peu plus en avant, juste avec expire. Inspirez, tirez-vous vers le haut. Poussez-vous un tout petit peu avec expiration vers l'avant, un tout petit peu. Gardez les jambes bien tendues, le dos tendu, le regard en avant et les épaules loin des oreilles. Les bras doivent vous aider de tenir le dos bien tendu. Constamment repoussez-vous avec les bras. Inspirez. Expirez, poussez-vous un tout petit peu plus vers le bas. Très bien. Inspirez, redressez-vous. Très bien. Maintenant, fléchissez les jambes. Ramenez les jambes en avant. Entrelacez les doigts derrière les jambes. Basculez le bassin vers l'arrière et enroulez complètement le dos en arrière. Quand vous essayez, posez le bas du dos au sol. Tendez légèrement les bras. Le regard sur le nombril et sentez étirement au niveau du dos, toute la chaîne postérieure. Très bien, respirez calmement. Les épaules loin des oreilles. Inspirez et expirez, déroulez-vous. Très bien. Je vous remercie pour ce cours de stretching. J'espère vous voir bientôt.